Et plop tout le monde, c'est me, je vous retrouve aujourd'hui pour le premier jour de notre semaine de l'étable, ou plutôt semaine soviète de l'étable. Alors aujourd'hui, on va commencer tout en douceur, comme je l'ai déjà fait donc la dernière fois pour la semaine française, avec un petit BR, et en l'occurrence, on va starter avec le BT7M. Alors, qu'est-ce que c'est que le BT7M? C'est tout simplement un BT7 en fait, hein, issu lui-même du BT5 et de la série des BT, qui a été amélioré au niveau de la motorisation. Alors, il dispose d'un nouveau moteur, un moteur V2 diesel qui offre l'avantage d'être moins gourmand en carburant. Donc c'est l'objectif, hein, bien évidemment, augmenter l'autonomie, hein, parce qu'avec la même quantité de carburant, si votre moteur est moins gourmand, vous irez plus loin. Mais c'est un moteur qui a également moins de chances d'exploser s'il se fait tirer dessus ou qu'il prend un obus, hein, tout simplement. Voilà. C'est pour la partie historique parce que dans War T ça n'impacte pas vraiment, il a pas moins de chances d'exploser. En général les moteurs de toute façon en BABR n'explosent pas parce que c'est soit les munitions soit les membres d'équipage qui meurent. Mais voilà, IRL c'était ça. Alors faut savoir que les BT7 ils ont servi, notamment la version M qui a servi jusqu'en 45 durant l'attaque de la Grande Mandchourie. Et après les Russes ne s'en sont tout simplement plus servis. Ils ont été mis à la réserve de côté et on ne s'en est plus utilisé. Je crois que c'est pas français ce que j'allais dire. On ne s'en est plus servi, voilà. Donc, sur War T, qu'est-ce que c'est que ce BT7? C'est la même chose qu'un BT7. Hein. On est sur exactement le même véhicule qu'un BT7 classique. La seule chose qui va nous différencier, ça va être le moteur. Donc, c'est un petit canon de 45mm 20K disposant de 188 munitions, une vitesse de rechargement de 3,3 secondes. Vous pouvez descendre encore un petit peu plus avec un équipage full. Vous pouvez descendre à 2,9. Donc un équipage en as, honnêtement vu ce que ça coûte de mettre un équipage en as sur le BT7, c'est pas vraiment dangereux en termes de coût. On est sur une tourelle qui fait du 360, moins 5 de dépré plus 20 d'élévation, une tourelle qui tourne à 14 degrés secondes pour une vitesse d'élévation du canon de 3,4 degrés secondes. On a également une petite MG juste ici de 762 DT qu'on retrouve à peu près sur tous les véhicules de cette époque, que ce soit les T34, les autres BT7, même certains KV1. Donc voilà, même les KV1 du coup, hein, voilà. Au niveau des munitions, bon c'est classique, c'est de la munition de BABR, donc en fait ça va être de la munition APHEBC et de la munition AP. La munition APHEBC va percer entre 70 et 50 mm, entre 10 mètres et 1 km à 0 degré. On est encore entre 60 et 40 à 30 degrés, c'est pas trop mal. Vous allez voir que c'est celle-là que je joue majoritairement parce que celle-là en fait elle a l'avantage d'avoir de l'explosif à l'intérieur, ce qui va permettre de one-shot tous les petits véhicules que vous allez rencontrer. Il se peut aussi que je charge de la AP classique, ou de l'AP classique plutôt, parce que par moment, l'obus APHEBC va être légèrement impuissant face à des véhicules un petit peu plus blindés. On est en 2-0, donc on peut tomber contre du 3-0, et là l'obus AP par contre sera utile. Donc je vous conseille de charger un petit peu d'AP, ça changera pas grand chose, vous voyez que les valeurs sont vraiment légèrement dessus, mais on sait jamais, sur un pixel ou quoi, 1 mm de blindage, ça peut changer, donc ça peut être utile. Voilà, donc je vous conseille de charger un petit peu d'AP, moi en tout cas c'est ce que je fais en général, donc pour conclure. On a des valeurs qui sont correctes, hein, c'est légèrement supérieur à 1 ou 2 mm, voire 3 ou 4 dans le meilleur des cas par rapport à l'APHE, mais voilà, tout simplement. Pour les munitions, donc on en a un peu partout, hein, c'est soviet de bias sur les premiers véhicules. Hein. On fout des munitions partout où on peut et balèque si ça explose. On a le moteur de 500 chevaux qui, contrairement au BT7, est quand même relativement plus puissant. On a 100 chevaux de plus que le BT7, ce qui est relativement pas mal. On a une vitesse de 54 km/h en marche avant pour 10,5 km en marche arrière, ce qui est plutôt pas mal, hein, pour un véhicule de l'époque. 10,5 en marche arrière, ça fait vraiment plaisir. Et 54 km/h, vous allez voir qu'on les atteint très très vite en fait et qu'on est bridé. On a l'impression vraiment que le moteur est bridé et qu'il ne peut pas aller plus vite. On a l'impression que le moteur peut aller plus vite en fait plutôt, mais on sent que le jeu nous empêche d'aller plus vite quoi, pour faire simple. Au niveau des membres d'équipage, c'est pareil comme le BT, deux membres d'équipage dans la tourelle, chargeur, commandant et on a le conducteur à l'avant. Voilà, tireur, commandant, enfin tireur, chargeur, chargeur qui fait office de commandant également. Donc voilà. Ça sera tout, je vais vous retrouver sans plus tarder pour le gameplay, c'est un gameplay de BABR, donc vous allez voir, ça va être très simple, c'est juste pour commencer de façon très chill. Sur ce, à tout de suite. Donc, nous voilà partis pour le gameplay, on est avec notre petit BT7M, on est sur une bonne map, on est sur Europe de l'Est, on joue RP, on joue à domicile. Donc on est parti, alors là on va traverser, alors vous voyez qu'au niveau de la vitesse, regardez, je suis déjà, comme je vous disais, hein, on a l'impression que le moteur est bridé. Parce qu'en fait, je suis déjà, regardez, quasiment à 54 km/h, 55 km/h au bout de 2 minutes de jeu. Bon, par contre l'autre BT7, j'espère que tu vas pas me gêner.
Regardez, je suis un buisson roulant, littéralement, hein. J'ai mis des buissons partout. Hop, donc on avance, on est parti. Let's go. On va traverser, donc je vais traverser la rive et je vais aller flanquer. Je vais flanquer parce que en fonction du bear où on va être, en fait, lorsque vous allez être en 2-0, ça va être très simple de jouer, ça va vraiment jouer comme un BT7. Par contre, en 3-0, ça va être un petit peu plus compliqué parce que vous allez tomber contre des véhicules qui ont un petit peu plus de blindage. Typiquement les Panzer 3M, les trucs comme ça, Panzer 3N aussi, vous pouvez. Notamment ceux qui ont le blindage espacé allemand, et là c'est vraiment une plaie à jouer contre eux parce que le blindage espacé maintenant avec les volumétriques est efficient, donc ils sont beaucoup plus durs à tuer hein, ces joueurs-là. Hein. C'est vraiment, on a beaucoup plus de mal. L'obus est pas non plus incroyablement efficace, honnêtement. Oh là, mince, on s'est fail. Voilà, hop, détruit. Bon, la PHE par contre à l'intérieur fait toujours le taf. Voilà, on sort lui à l'AMG. Ça rend de gaspiller un obus contre une voiture. Oh, là, là, il y en a un autre, il y en a un autre. Détruit. On les empêche de KPB. On empêche les ennemis de progresser. Hein. Faut que je fasse gaffe aussi, ce qui peut potentiellement me rusher moi de mon côté. Vous écoutez là? Là, il y en a un là, par là. Là. Vous entendez peut-être pas bien, vous. Oh, regardez, oh, il y a une Hans mobile. Voilà, la Hans mobile, ça dégage. Radiateur, J'espère qu'il tire pas le BAP. Non peine. Ah, ouais, là on a un peu de mal contre le Panzer 4. J'ai fait le tube du canon. Bon, après, c'est pas un gameplay extrêmement intéressant dans le sens où on se bat vraiment contre des débutants. Hein. Ça n'a pas beaucoup de piment, on va dire. C'est des gens souvent qui débutent le jeu SBR, donc ça a pas de réel intérêt e-sport entre guillemets, compétitif. Voilà, c'est plus on débute et on se bat contre des gens qui commencent. Mais bon. Oh non, oh non, je suis. Bah voilà, regardez, je vais faire de la merde. Voilà, je me fais défoncer. Bon, vite, on éteint. Oh là, j'ai de la chance, elle m'a pas tué. Faut que je me méfie parce qu'elle peut être très dangereuse. Hein. La voiture est italienne là. Elle a quand même son canon et elle a possiblement de la Panzergrenade allemande. Yes, c'est bon, je l'ai eu. Je gasse gaffe parce que si elle a de la Panzergrenade allemande, c'est vraiment la PZGR40 là. C'est vraiment, vraiment dangereux. C'est bien plus dangereux que ce qu'on pense, cette voiturette. Ah, commandant tireur sur le suédois. Bon, ça, je vais me mettre en position juste ici. Vraiment, là, on gère le flanking, hein, c'est notre boulot, on est fait pour ça, on va vite et tout, c'est parfait. On est OP pour ça. Je me méfie qu'il n'y ait pas d'ennemis à gauche, à droite ou à gauche, qui essaie de me tirer dessus. Essayer d'avancer un petit peu, prendre une ligne là. Hop, non, bon, il n'y a rien par ici. Il y a encore pas mal de monde malgré tout dans la game. Hein. C'est pour ça, n'hésitez pas à prendre pas mal d'obus. Vous voyez qu'en bas BR, je prends quand même beaucoup d'obus parce que les gens ont tendance à beaucoup respawn en fait. C'est un BR où les gens se préoccupent pas trop encore du jeu respawn, je respawn pas. Oh, compliqué ça. Ah, compliqué ça. Un coup à droite, un coup à gauche, ça me plaît pas trop ça. L'artillerie va être très efficace contre le petit Charles. Regardez, il y a du monde qui passe. Oh, dommage. Ah, dommage, j'ai pas une bonne ligne là. Elle est trop courte ma ligne. J'ai trop peu de temps pour tirer entre les deux. La marche arrière par contre fait vraiment plaisir. Hein. Ça fait vraiment bizarre de jeu d'avoir une aussi bonne marche arrière sur un véhicule russe de Babère. Hein. Vraiment. Oh, shit. Je suis dans la sauce. Voilà. Oh, j'ai de la chance. Il m'a pas tué. Il aurait tiré en plein milieu de la caisse. Il aurait très bien pu one shot. Alors avec un peu de chance, il tire la PDS. Du coup, ça fait pas de shrapnel. Ok, on continue de surveiller. Je prends mon angle. Là. Ici. Ah non, non, avance pas. Reste là. Te sauve pas.
J'ai encore besoin de toi. Je vais vite devant. Là, 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 tourne, 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 tourne. Voilà, boum. Vous voyez que la charge explosive. Je prends toujours un peu d'AP, comme je vous ai dit. Alors après, c'est utile ou ça ne l'est pas. Dans tous les cas, vous en avez au moins. C'est sûr. Hop, bon. On est plutôt pas mal. Il se passe pas grand chose. Les alliés qui font un petit carnage aussi. Et là, il y a un ennemi normalement pas loin dans la zone. Je pense. Par contre, j'écoute rien avec les avions, c'est très pénible. Aïe! Oh! Aïe, 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 aïe. Je le vois pas, je le vois pas, je le vois pas. Il est là, il est là, il est là. Ah, c'est le suédois! Ah, le suédois! Ah, l'entière suédoise, extrêmement dangereuse. La première entière suédoise est vraiment très très dangereuse parce qu'elle perce un max. Et il me semble qu'elle a aussi les Panzergrenade 40. Ou si c'est pas les Panzergrenade 40, c'est quelque chose d'à peu près équivalent. Et donc ça fait un max de dégâts. C'est l'une des CA les plus pétées en rang. Hein. C'est vraiment celle qui perce le plus. Elle a pas forcément beaucoup de munitions dans son chargeur. Mais elle fait extrêmement mal quand elle arrive à vous les coller, les munitions. On va lui mettre de l'artillerie là, je vais essayer de m'en débarrasser comme ça de loin parce que celle-là c'est typiquement la DCA que j'ai pas trop envie d'aller fight au corps à corps. Oh non! Alors j'ai été aveugle. Oh, quelle erreur. Ok, on va y aller, on va essayer d'aller la chercher. C'est risqué mais c'est pas grave, je prends le risque. Oh 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 oh. Là-bas, 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 là-bas. Non. Vite, 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 vite. Ouais, dommage. Je l'ai pas eu. Bon, c'est pas grave, on va s'occuper d'elle. Ah, voilà. J'aurais pas dû détourner le regard. Ah, j'aurais pas dû détourner le regard. Bon, voilà. Comme quoi, il faut faire attention. Bon, à mon avis, la game est finie. Je vais pas respawn. Ça sera tout pour le petit gameplay du BT. Vous voyez que bah, c'est gameplay BT7, hein, clairement. Enfin, genre, y a pas de particularité à ce gameplay-là. Si ce n'est qu'on est tout simplement plus mobile. Hein. On n'est que plus mobile, tout simplement. Bref, voilà, ça sera tout pour la première petite présentation de la semaine CV de l'étable. Bien évidemment, comme vous le savez, en temps normal, et même de toute façon ça va être comme ça, ça va monter crescendo et on aura également possiblement des guests qui vont être invités au fur et à mesure. Il y aura des invités, peut-être certains jours il y en aura, d'autres il n'y en aura pas, on verra. Ça dépend des disponibilités de chacun aussi, je propose un petit peu à tout le monde, je fais tourner. Et puis tant qu'à faire ça permet de faire un peu de pub pour le reste de la commu FR, donc c'est pas plus mal. Et puis c'est beaucoup plus sympa de présenter une vidéo à 2 ou à 3 qu'une vidéo tout seul, hein. Soyons honnêtes. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Donc la prochaine vidéo arrive demain avec un autre véhicule et ça sera un emblème des blindés soviétiques. Et je pense que vous savez à peu près tout ce que c'est, voilà. Je vais pas m'étaler dessus parce que non ce serait pas drôle. Donc voilà. Je vous laisse, merci beaucoup de regarder cette série, pour ceux qui vont la regarder en entier du moins, et puis même à ceux qui vont regarder qu'un bout, hein, bien évidemment. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, bref, vous savez, vous connaissez les bails, me dire ce que vous pensez de cette petite série et puis du BT. Et puis, me dire, essayez de pré-shot tant qu'à faire ce qui arrivera demain, parce que bon, on y est, autant essayer de me dire, vous me dites dans les commentaires ce que vous pensez qui arrivera demain, et puis on verra. Bon, je vous dirai pas si c'est ça, mais peut-être que vous trouverez, voilà. Ça sera tout, merci beaucoup, bonne journée, bonne soirée, tout ça, à la prochaine, et ciao, à demain.